Alors quoi? Tu es livide, merci. Que t'a dit le médecin? Trois fois rien, qu'il me fallait du repos. Tu n'avais pas besoin de voir un médecin pour ça. Je te l'aurais bien dit moi-même. Quoi d'autre? Il m'a ordonné des potions, des calmants, des remontants, des trucs. Cela ne doit pas être bien grave. Vois-tu, Geneviève, si le magasin marchait mieux, je serais la plus heureuse des femmes. Il fait un froid de chien. Tu ne sais pas qui j'ai rencontré en ville. Devine, tu ne devines pas, Roland Cassin. Tu ne dis rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fou ce qu'il est sympathique, nous avons parlé plus d'une heure ce matin. Il rentrait des États-Unis, quel type! Il m'a raconté 100 000 choses, je l'ai invité à dîner. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as, Geneviève? Rien, je suis fatiguée. Ce n'est pas une raison pour faire cette tête. Tu es lasse, soit, mais tu n'es pas mourant. Ce n'est pas la lassitude qui m'attriste, mais le silence. Guy est parti depuis 2 mois déjà. Il ne m'a écrit qu'une fois. Tu ne vas pas recommencer. Si je savais où il se trouve, je pourrais lui écrire. On l'a renvoyé, j'en suis sûre, dans un endroit dangereux où il risque sa vie. C'est beaucoup plus simple. Plus simple que quoi? Il t'a oublié, tu dis n'importe quoi. Il ne pense plus à toi ou bien il t'écrirait. On peut toujours écrire, aussi loin que l'on soit. Avec une autre. Assieds-toi, je vais fermer le magasin. Tu me caches quelque chose, mais non. C'est grave, n'est-ce pas? Enceinte de Guy, comment est-ce possible? Rassure-toi, comme tout le monde. Oh, ne plaisante pas, c'est grave. Qu'allons-nous faire?